journalistes de la province du Maïkipi-Ouest ont décidé de mener la lutte contre le coronavirus hors des rédactions. C'est pour être plus proche des auditeurs, les sensibiliser davantage à respecter les mesures barrières. Pour cette campagne de sensibilisation de proximité, la population du canton RD dans la sous-préfecture rurale de Pala a été la cible. Pragmatique, les journalistes ont distribué des supports portant les messages essentiels sur les gestes barrières. Ils ont également installé des dispositifs de lavage des mains dans les cours de chefferie traditionnelle des lieux de culte de la localité. Pour le chef de canton de Herté, l'initiative des journalistes de la province du Maïkipi-Ouest vient consolider les efforts des chefs traditionnels. Je pense qu'avec l'appui des journalistes, vraiment ça va beaucoup nous aider. Je voudrais que vous continuez comme ça dans mon canton en général. Ça va renforcer encore tout ce que j'avais passé dans mon village. Dans chaque village, j'ai fait le tour. Et donc les gens ont compris, mais ça ne suffit pas. Quand ils vont voir la présence des journalistes, et c'est là où ils vont confirmer que réellement ce que le chef a dit sur le terrain, c'est une réalité. Dans toutes les langues locales, les journalistes ont expliqué terre à terre aux différentes communautés le danger que représente le Covid-19. Dans la campagne, il a parlé à tout, éviter les regroupements de plusieurs personnes, célébration du mariage sans être nombreux, enterrement de morts sans être nombreux, prières restreintes en famille sans se réunir dans une église ou dans une mosquée, éviter le regroupement autour des puits, interdire les enfants de se rassembler sur les aires de jeu, respect de toutes les mesures d'hygiène et d'assainissement. Selon le président du comité d'action des journalistes et communicateurs de la province du Maïkipi-Ouest, il y a un devoir pour les journalistes d'agir plus pour faire changer les mentalités pendant cette période de la pandémie de coronavirus. Vous savez, un journaliste, quand il parle, les gens croient facilement à ce qu'il dit. Rester à distance, parler seulement à la radio, nous avons dit que non, ça ne suffit pas, il faut se rapprocher plus encore de cette population pour livrer vraiment le message de lutte contre le Covid-19. Le message que nous avons livré, également ici aujourd'hui, c'est presque en langue locale, vous savez. Donc le message était direct. Cette population n'a pas besoin d'interprète. Des sensibilisations de proximité organisées par les journalistes de la province du Maïkipi-Ouest s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2020, confisquée par le coronavirus.